aujourd'hui, Etienne Gaming, vidéo sur, pas compliqué, sur Ark, hein Jimmy? Ouais, Ark Survival. Mais là, on va se préoccuper sur un affaire. Je vous avais montré que j'avais des bébés. Des couples d'animaux, genre, what the fuck c'est que je fais ici? Attendez, là, je sais pas, là. Pourtant, j'étais pas là. On va aller à ma maison, puis je vais vous dire qu'est-ce qu'on va faire. Je vous avais dit que, qu'on avait des couples d'animaux, écus, on va se dire cheval, ravageur, après ça, dodo, puis mouton. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, on va se préoccuper des accouplements. Oui, vous allez avoir des touches-touches mium-mium. Donc, des guili-guili-gaga-gougou. Donc, ce qu'on va faire, c'est que. on va faire des petits guili-guili-gaga-gougou. Avec les animaux. Puis toi, je sais pas ce que tu fais chez nous. Allez. Ousse. On va pas non plus donner cette carte. On va se préoccuper du mammouth en premier, puis après ça, on va vous expliquer ce qu'on va faire. Niveau 95, ok. On va se préoccuper aussi de lui aussi, on va tous les tuer. Bon! Parfait, c'est fait. Bon! Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va se préoccuper sur les accouplements des animaux pour essayer d'assurer des mutants. Parce que ça a l'air que oui, ça existe. Il y a des mutants. Ça existe. Ben oui. Donc, on va commencer. Donc, on va commencer. Les dodos. Les autres, ils donnent juste des œufs. C'est pas assez impressionnant. On pourrait se faire un ravageur. Mais je vous le dis, je m'excuse, il va falloir que j'aille sur internet pour trouver des glitches pour me faire des kibbles, qui est des genres de petites croquettes d'œufs. Parce qu'ils demandent des fois certains œufs. Puis pas mal, en tout cas, ils demandent quelque chose. Hein. Donc, c'est la femelle. Non, lui, c'est un sexe mâle. Pour que je trouve la femelle. La femelle, on va faire d'autres options, on va activer la promenade, on va aller à celui. Ok, lui c'est un mâle ça? Non, c'est une femelle ça. Lui c'est le mâle, ok, on va activer la promenade. Allez, faites des bébés. Allez, on va faire de quoi? On va voir chez vous. On va les approcher un côté de l'autre parce qu'il faut que ça soit quand même assez proche pour que ça marche dans l'affaire. Activer la promenade. Ça a-tu marché dans l'affaire? Autre option. Activer la promenade. C'est ça. Oh shit. Bonjour. Reste là. Autre option. Activer la promenade. On va se préoccuper sur juste une femelle. Ah, ben gardez accouplement. Ça marche. Donc, c'est en train de faire guili-guili-mium-mium. Je sais pas ce qui se passe. Ok, on va juste se détourner. Et c'est ça. Donc, on va faire ça en attendant. On va attendre. Bon, lui, il vient de chier à terre. Me dis que tu me veux, toi, à tout le temps me suivre en arrière de moi, toi, reste là. Tiens, reste là-dedans, toi, bouge plus, reste là. Bon, merci. L'accouplement à date pour l'instant, ça va bien. Ok, ça monte. Ok, après ça, ça va être la gestation qui va commencer. Okay. Ouais, c'est bien chier dans ma face, ici. Donc, donc, regardez le cœur qui fait poupouf, poupouf, poupouf. Ça, ça dit que, qu'ils sont assez. Qu'ils font assez de. C'est un seul party. Ils jouent aux cartes. Okay. Ils jouent aux cartes. Ma mère me l'a dit là sur Skype. Ah, ok. Non, c'est pas. Donc, ici, les gens, ce que vous voyez ici, c'est un caca.
Alors, non, c'est pas vrai. Pas vrai, hein, je niaise. On va attendre. Alors, faut que je joue pendant qu'il vous en reste. Et après ça, on va désactiver la promenade du mâle parce qu'après ça, ben, ça va être la femelle qui va falloir qu'elle couche. Fun. Donc, on va attendre. Ouais, donc ils vont faire des petits guili-guili. Donc, il n'a pas long, ça achève. Et voilà, la gestation, maintenant, dans 3 minutes, Ah, la queue pile, de chien, ça. elle va accoucher de son fameux bébé. Donc, on va juste. On va faire de quoi? Je veux juste pas que le bébé soit dingue. Mais que je déplace le bébé. Désactiver la promenade. Bon, parfait. Donc, c'est elle qui va accoucher dans pas long. Ouais. Dans 2 minutes, les gens, elle va sortir son bâtard de son ventre. Donc là, il y a un Christie de choses là qui m'énerve. Qui est dans les jambes. Bon! Il est mort. Bon, donc on va attendre. On va attendre que le bébé sorte de là. On va attendre que le bâtard sorte de là. Pendant ce temps-là, ben sachez que j'ai été allé faire un tour de Velociraptor hier. Et je pense qu'il est mort. Ok, non, il est encore là, c'est beau, il a respawné ici. Parce que hier, j'étais allé faire un tour de Velociraptor, puis ben, il a décédé. Hein? Il a carrément été mort. Je sais pas ce qui est arrivé. On a sauté en bas d'une petite colline, puis il a tombé, puis il est mort. En tout cas, business, en tout cas, il est bâtard. Donc, là, son bedon va commencer à grossir, elle-là. Vous voyez très bien que le bedon, il est rendu plus gros que les autres. Donc, le bébé va commencer à sortir d'avant. Gardez-moi ça. Dans 1 minute 39, le bébé va sortir. Donc, tu vois, là, le bâtard sortir de là, mais. 1 minute 39. Sachez que le mort, il était niveau 200. 200. 221. Donc, le bébé va prendre le niveau du mâle. Donc, il va être ben, 221. Donc, plus qu'on va le monter, ben, plus qu'il va être plus haut niveau. Ou ça va être le contraire. Ça, il va prendre le niveau de sa mère. Tout dépendamment. Dans 1 minute 10, il va avoir accouché. Il y aura qu'à la couche parce qu'il y en a. Parce que là, le bébé. Regardez comment est-ce que ça devient gros. Checkez ça. Le bedon, il devient gros. Comparé à elle, là, checkez ça. Non. Comparé à elle. Elle, est-ce qu'une femelle? Non, lui, c'est un mâle. Ouais, la femelle. Regardez la femelle ici, regardez, elle n'a pas le gros bedon, mais elle, elle l'a en tabarnak. Gros bedon, petit bedon, gros bedon, petit bedon. Oh, attendez, ouais. Ah, mais dans 43 secondes, ça va sortir. Inquiétez-vous pas, vous allez assister à un accouchement, inquiétez-vous pas. Pour ceux qui n'ont jamais vu ça, là. La manière la plus efficace, comment faire sortir un bébé du cul de la main, du cul de la main, du corps de cette affaire-là, ok, ben, ouais, c'est assez efficace, merci. J'aime bien mieux cette manière-là. Comme si il fait un caca. Ça fait. Ouais, il jump. Carrément. Donc, regardez bien. Puis, je vous avertis, ça grandit vite, donc, checkez bien. Dans 1, 0, elle accouche. Et voilà, c'est sorti. Donc ensuite, on fait ça. On fait désactiver la promenade. C'est des jumeaux. J'ai des jumeaux. Portée très proche. Non, je vais me grouiller parce que ça grandit vite. C'est quoi? Autre option. Portée de la suivi. Très proche. Autre option. Portée de la suivi. Très proche. Donc, ils me suivent. Donc, c'est parti. Donc, voici nos deux petits bébés. On va les élever. Il y en a un autre qui m'a pas suivi. Hein. Tu peux t'attendre un peu? Tu peux t'attendre un peu? Reste là. Bouge plus. Allez faire une promenade. Ben, tu vas rester là. Tu vas calmer.
Pas bouger, ok? Bouge pas. Tu peux pas te tasser. Bon. Éteins ça. Éteins. Ah ouais. Siffler. C'est parti. C'est quoi ça? Lui, c'est un mâle? Parce que là, faut que je garde. Faut plus que je garde les femelles que les mâles. Donc, excusez-moi si vous voyez que je suis un. Excusez-moi si vous voyez que je suis un mâle. Excusez-moi, c'est pas dans mes intentions. Je le sais. Mais c'est parce que faut que je garde plus les mâles. Bon, viens-t'en. Faut plus que je garde les femelles. Okay, bon, c'est correct. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Je veux qu'on prenne soin de lui pendant 40 secondes. Dans ce temps-là, les gens, ce que vous faites, là, c'est que vous devez faire ça. Vous faisiez comme ça, tu sais, vous le faites pour qu'ils vous suivent comme ça, bien tranquillement. Si vous voulez, vous pouvez garder juste un mâle, puis le reste, c'est toutes des femelles. C'est ce que je vais faire dans pas long, c'est que je vais tout tuer ce qui est de mâle. Les deux, je vais garder un mâle, je vais garder toutes les femelles. C'est ça qui risque d'arriver. Encore 13 secondes, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. On a besoin qu'on prenne le soin de lui encore. Encore? Je prends soin de toi? Viens-t'en, il se promenait. Cool. Alors, mec, tu cours demain vite pour un petit bébé, toi. Checker ça, hein? Je vais essayer de checker ça. Il est arrivé! Go vite dans ta partie avec le bébé! Go plus vite que son père. Bon, si vous faites ça pendant. Ben, jusqu'au temps qu'il devienne adulte. Une fois qu'il est adulte, ben. Pardon. Je suis désolé. What the fuck? Il est même bizarre. Bon, qu'est-ce qu'il veut? Calme-toi. Ben, gardez, c'est ça que je vous disais. Ravageur veut être nourri à la main avec croquettes d'œufs de Dimorphrodon. Je suis désolé, mais j'ai pas trouvé de kibble, c'est dans le. Où est-ce que je suis rendu présentement. Donc, je vais comme utiliser un petit peu. J'ai comme pas le choix. Hein. J'ai vraiment pas le choix, même si je sais que je voudrais pas faire le cheat code, mais j'ai vraiment pas le choix, sérieusement. Hein. Mais je vais vous le dire, c'est juste pour ces affaires-là que j'utilise ce cheat code-là. Je vais vous le dire, pour les autres affaires, j'utilise quasiment même plus. Dis-moi, Frodon, ben regardez. Hein. Ça va être affiché tantôt, mais je l'ai fait, le code. Donc, pour l'instant, dis-moi, Frodon, espace. Wow, j'ai trouvé des vite comme ça. Comme ça. Ensuite, ben, vous marquez le nom qu'il demande, qui s'appelle... what the fuck? Ok, c'est 10 mots. Ok, parce que là, je m'étais trompé de... Ah, j'avais marqué 10 mots déjà. C'est beau. Ok, bon. Alors, ensuite, vous marquez le chiffre qu'il demande. Donc, c'est un nombre-là. Vous faites ça comme ça, puis là, pouf, vous avez ce qu'il vous a demandé. Ensuite de ça, vous allez là-dessus, vous le mettez en dernier, c'est-à-dire à cette flèche-là, pour que vous puissiez le nourrir à la main. Pas trop long, j'ai reçu un autre message.
Donc, comme ça, donc ensuite, pendant 50 secondes, quasiment une minute de temps, vous devez encore vous en occuper. C'est ça que j'aime. Des fois, ben, regardez, la dernière fois que j'ai fait ça avec mes chevaux, là, j'ai pogné des quadruplets. Donc, tu sais, ça vous donne une idée, OK? J'ai pogné des quadruplets. Des fois, on peut pogner des jumeaux, des triplés, ça dépend. Tout dépendamment. Donc, là, il y a 21 secondes, on continue encore. Pardon, j'ai roté. OK. Pendant ce temps-là, pour ceux qui ne savent pas, ben, ma vidéo sur Arc de la promenade, ben, de l'exploration de l'île maudite aux dinosaures, ben, c'est très bien déroulé. En fin de compte, on a réussi à faire pas mal ce qu'on avait voulu à faire, hein, Jimmy? Ouais, t'en es, fait que vous pouvez avoir tout Ouais. ce que vous voulez. On est allé faire ce qu'on avait à faire, qui s'appelle aller voir, aller explorer. On s'est perdu. On s'est perdu, on s'est retrouvé. On s'est retrouvé, ouais. Beaucoup d'émotions. Et j'ai tellement pleuré, les gens, vous avez manqué ça. Ah, tu sais, comme vous avez manqué ça. Là, il est comme, genre, trop émotif, là. Mais, ah non, sérieusement, les gens, j'avoue que c'est vrai qu'on était quand même sur une émotion, là. Bon, à cette heure, on a compris pourquoi qu'il appelle l'île maudite. On l'a caché. Ouais. Que du tyrannosaure, du vélociraptor, ben des affaires. Hein. A besoin qu'on prenne de lui pendant 50 secondes. Tabarsac! Attendez-vous qu'il vous demande pas les mêmes kibbles, ben les mêmes croquettes si vous voulez. On va passer des croquettes. Attendez-vous qu'il vous demande pas les mêmes. Qu'il peut vous demander ça au Diplodocus, après ça, ah, au T-Rex, après ça, wop, au Dimorphodon, après ça, wop, au Tyrannosaure, j'ai dit tantôt, ou Triceratops, tout dépendamment. C'est vraiment pas pareil. Si ça tombe que c'est pareil, ben tant mieux si célébrer ça, OK? Parce que moi, l'instant 7 à la date, je n'ai pas pogné un qui me demandait la même affaire. Je vous le dis, hein, pas un qui était la même affaire, qui me demandait, mettons, du Diplodocus tout le temps. Non, non. C'est du Diplodocus, Triceratops, Tyrannosaure, Allosaure, c'est tout différent. Ça fait malheur. Tu peux-tu juste te tasser parce que t'es comme pogné dans la mouille. Avec des croquettes de Pteranodon. Ben, regardez, là, il m'a demandé des croquettes de Pteranodon. Comme je vous l'ai dit. Hein. Ben, souvent, ben, le code, des fois, ben, il marche pas. Donc, ça fait chier. Donc, là, il veut que je marque là. Je vais marquer Fly parce que là, je suis comme pogné dans la lui. Peux-tu te tasser? Tasse-toi. Merci. On va marquer Wild. Parce que je plane dans les airs. Comme ça. Et voilà. Et là, pouf, là, ça marche. Bon. Hey, tu petite. Voilà, bouge. Non. Après ça, les gens, ils grandissent full vite, non? Non. Autre option. Distance de suivi. On va mettre ça faible. Ok, bon, bouge plus. Donc, excusez-moi, il faut que je retourne sur Internet. Il faut que je marque ben, le cheat code. J'ai Non. encore pas le choix. T'as là? Je ne sais pas ce qui m'a passé. Pour les gens, j'ai la blonde qui me texte. Donc là, il m'avait dit quoi? Pteranodon? Ouais, c'est ça. Pteranodon. Non, j'ai supprimé la vidéo, gros cœur. Pas trop long, juste que je retrouve. Ok, on va aller sur le site du gars qui s'appelle Altoz. C'est lui qui fait toutes mes vidéos de glitch d'animaux. Ben, pas mal sur tout. Non, en tout cas, sur ça, bonne vision. Non, c'est pas vrai. Excuse-moi si c'est long, c'est parce qu'il faut quand que je trouve la bonne vidéo. Ça, c'est la première. C'est moi deuxième. C'est mon gars qui ne l'a pas fait. Ok, là. Piou! Allez. On va la mettre dans Ajouter à Arc.
Donc là, il nous a dit le pteranodon. Je sais pas s'il en a fait. Oui, il les a fait sur le pteranodon. Ça va savoir si ça va marcher. Donc on va marquer comme lui l'a marqué. Donc GFI. Comme ça. Ensuite, il a marqué E. C'est pas mal toutes les mêmes affaires pour les Kibble. C'est pas mal tout de marquer la même chose. Des fois, c'est pas pareil le GFI. Des fois, il faut le marquer d'une autre façon. Des fois, c'est la même façon. Des fois, c'est. Ah, en tout cas, c'est fucked up. C'est vraiment fucked up. Après ça, on fait la même chose. On marque 100, mais séparément. Croquette de pteranodon. Mais tant mieux, ça a marché. La dernière fois que je l'ai faite, ça n'a même pas marché. Je sais pas pourquoi. Puis, les croquettes, là, vous devez absolument les mettre en dernier, ok? Parce que sinon, ça ne marchera pas. Sinon, c'est vous autres qui allez manger l'œuf. Ben, les croquettes, puis dans le fond, c'est pas ça qu'on veut, nous autres. C'est que lui mange les œufs. Pas nous autres. Ben, les croquettes, ok? Je me trompe tout le temps. Je me. What was the Ok, donc là, ça c'est pas pire. Donc là, on a réussi. On est correct. Ça va bien. Pour son nom, ben, ça. Je sais pas. Je sais pas comment je vais l'appeler. Ben, souvent, je donne même pas de nom. Pas parce que je veux pas être méchant, c'est pas parce que je veux être méchant, mais je donne pas de nom. Parce que là, j'ai comme plus d'idée d'un nom. Tu nommeras Jean Petit Pénis. Ah, ta gueule! Aïe, aïe! Regardez, croquette de par hasard. Comme je vous l'ai dit, c'est pas pareil. Faut que je retourne sur Internet. Faut que je trouve par hasard. Donc là, je viens de le trouver, ça tombe bien. Ça n'a pas été long, j'ai pas cherché longtemps. On va marquer, ben, pas le choix. On va marquer para. Est-ce que toi tu le prononces comme ça? Para. On fait ça comme ça. Admin commande. On s'en va là-dessus. Une fois que c'est fait, on fait ça. On fait tac. On fait ça. On fait ça. On fait ça. Vu qu'on prend une soin de lui pendant 47 secondes. On fait ça. On va courir, mon jeune. On va courir en rond. On va essayer de marcher un peu en rond. Et voilà, il est fini. Il est évolué. Donc, voici comment est-ce qu'il est. Il est pas pire. On le trouve beau. Ben, on le trouve beau. Ah, c'est une femelle. Bon, ben, ça veut dire que c'est une femelle. On va augmenter ça de son énergie, comme j'avais d'habitude, à 20 000. Son poids, je mets tout le temps ça à 4 000. Puis le reste, c'est tout au corps à corps. Parce que même quand je fasse des bosses, ben, ils vont comme venir nous voir. Ben, oh, ils vont nous accompagner, je vous dis. Ben, surtout elle qui va nous accompagner. C'est vraiment un chien, je peux même pas monter, je peux même pas y faire, je peux même pas monter. On va voir pourquoi. On va essayer de faire de quoi. Viens ici. Yes, ça a marché, elle a réussi. Donc, on va la mettre. Ben, tiens, reste là, bouge plus. Ouais, bouge plus. Comme ça, on va la faire pour pas qu'elle bouge. Pas bouger tous, hein. Pour être sûr qu'elle bougera pas, là. Ça vous tente qu'on se fasse un mouton, les gens? Jimmy, on se fait un mouton? Ouais. Bébé mouton? Ouais. On va l'appeler Timmy. Ah, c'est pas vrai! Pas trop long. Ça c'est un mort. 161. Un mort. Ouais.
On apprendrait un plus fort. Ben, gardez rien comme je vous l'ai dit, lui, on va le tuer. J'ai une voix qui était pas assez fort pour mes autres. Pour mon autre dino. On fait de quoi? C'est pas trop long. On va aller voir si mon loup il aurait besoin de bouffe. Ou quoi de choses comme ça. Ou quoi de choses, aïe aïe. Bon, bah, ben, ça serait correct. Fin de compte, c'est correct. Ça c'est mes remoutons, c'est mes ravageurs, parfait. On a-tu de la bouffe, c'est quoi qu'ils ont? Ouais, ils n'ont pas assez. Attendez, on fait de quoi? Tout transféré. Oh my god, j'en ai 181! Oh, ouais, ouais, j'ai comme pas le choix. C'est ma blonde qui m'a texté, elle voulait savoir comment j'allais. J'y ai dit, je vois bien. Avec une texte. Non, c'est pas vrai. Un gars trop chiant. J'allais bien avec une texte, mais ouais, ça va bien. On va faire de quoi, même. On va tout vider ça. Parce que sérieusement, je m'en sers tellement pas. Sachez que si vous consommez une viande crue, ça fait quelque chose de très de, ça fait quelque chose de pas beau à voir. Hein, Jimmy? T'as rappelé, nous autres, quand on, la première fois qu'on a joué? Ouais. On mangeait toute la viande crue. Ouais. On mangeait même pas les bleuets. On pensait que les fruits, on pensait que c'était toxique. Ouais. Ah, un bon vieux temps. Ah, tu sais. Mais non, sérieusement, hein? À ce qu'on sait que ça c'est toxique pour nous autres, on n'en mange plus! T'as-tu en joué depuis? Non. T'as pas en joué? J'ai arrêté. T'as vraiment arrêté complètement? Ouais. Hein? J'ai arrêté puis je m'étais concentré sur Resident Evil. Ah. Sachez que cette viande-là, les gens, c'est pas pour moi. Pour l'instant, je suis plus sur les gyms, puis j'essaie de me garder l'autre jeu, mais je suis pas le temps. Ouais. Sachez que cette viande-là, ça va être pour de la viande pour les carnivores que je vais tamer puis que je vais nourrir mes carnivores chez nous. Donc, c'est pas pour moi. Moi, dans mon frigidaire, j'ai déjà de la viande. Donc, je suis vraiment pas dans la merde, sérieusement, on va le dire. Hein. C'est mes dodos qui font ma viande. C'est pas compliqué. Hein. Mes dodos font ma... Mais c'est mes dodos ma viande. C'est mes moutons que je prends pour faire de l'élevage de moutons pour les tuer, pour donner ça à mes autres dinosaures, puis ainsi de suite. Mais pour le reste, ça va. Attends, oui. Ouch! Ça va bien. Ben, regardez, c'est ça, je vous dis, regardez ma viande, regardez. Je suis vraiment pas dans la merde, là. Et si, ouais, hein, Jimmy? On en fait, hein? On en fait de l'inventaire. Putain, mec. Ça c'est mes chevaux. Ouais. Au pire, je vais me mettre ça là. Quand j'en fais. Okay, je vais me vider ici. Hein. Bon. Parfait. Donc, on va faire ça. On va aller se chercher. Bah, c'est sûr qu'il y a un mouton. Il y aurait lequel qui serait quand même au niveau. Ben, c'est pas mal tout au niveau, j'en remarque. Donc, on va faire de quoi? Lui, on va faire pour autre option, activer la promenade. On va prendre elle, on va l'amener à côté du mouton qu'il y a là, qui est le mâle du groupe. Là. On va faire autre option, on va faire activer la promenade aussi. L'accouplement, comment ça se passe? Parce que bien souvent, la femelle peut aussi rejeter le mâle. Ça arrive souvent que la femelle va rejeter le mâle. Mais s'ils font un bébé, ces deux-là, man, check la couleur, comment ça va être malade. S'ils font un mélange de couleurs de même, ça va être beau en Christie. Sachez qu'on peut pogner aussi des mutants. Les mutants, si je me trompe pas, c'est pas tout ce qu'on pourrait voir ça, les mutants. Mais j'ai déjà mouton niveau quelque chose. On sait pas si c'est un.
On ne sait pas s'ils sont mutants. Le bébé que je viens d'avoir, les gens, ouais, le bébé que j'ai eu, hein, 237, c'est cette affaire fille-là. On va aller voir, ouais, si elle, il pourrait me le dire, ça serait une mutante. Ils me le disent pas. Ils me le disent pas. Ils me disent pas si ça serait une mutante. Mais son père, il était à quel niveau d'abord? On va checker. Son père était à niveau 280, 221. Donc ça, c'est une mâle. Ça, c'est la femelle. C'est lui une mâle qu'on va tuer. Parfait. Donc lui, on va le tuer. Comme je vous l'ai dit, on va garder juste les plus forts. Man, t'as rien vu, une chance que t'as rien vu, man. Tabarnak, les gens, je sais pas si vous avez vu ça, mais ils se sont genre trop carrément jetés sur l'ancien mort, au pire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, les gens, c'est que gardez bien ce qu'on va faire. C'est que là, on est 1, 2, 3. On est 4. Ils sont 4 maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Oh! On a du jeu ici. On a du jeu, les gens. On a du jeu. Oui, elle est en gestation, les gens. Donc, le mâle qui est ici, on va l'éloigner un peu parce que je veux quand même qu'elle aille d'espace aussi, quand même, pour qu'elle aille accoucher. Moi, je suis genre de gars comme ça, ok? Moi, j'aime ça que ça soit bien. Ben, pas droite, là, mais tu sais. Que ça soit bien ordonné, tu sais. Genre, que ça soit, tu sais, que ça soit pas tout collé un par-dessus l'autre. Que vous me comprenez. Là, que c'est la promenade. Ah, ben, niveau 230, je pense que je vais faire couper les deux niveaux 288. Dans le mâle et la femelle, ça va peut-être faire un mutant. Sachez que, bien sûr, donc lui ici, niveau 221, puis qu'elle est 213. Ça veut dire que le bébé va être 200. Je dirais, ah, je sais pas trop. Je sais pas trop. Je suis perplexe. Je suis très perplexe, je sais pas. Même la fille pour les dodos. Tu es un mort, toi? T'es un mort, pis toi? Hein? T'es un mort, ok. J'ai tué ce qu'il y avait de mâle, comme je vous l'ai dit. On se garde juste un mâle, puis le reste, c'est toutes des femelles. Mais ce que je fais une exception, c'est pour les chevaux. Je fais une exception pour eux autres, sinon je les aurais tués aussi. C'est une exception. Je pensais qu'elle avait accouché, j'étais comme, oui, elle a accouché, mais non, c'est notre sac caca. Ah, je t'ai dit, les petits caca, eux autres. Il y a ça fait des petits caca. Le mouton, il a des beaux yeux, par exemple. Je lui prendrais les yeux, moi. Des beaux yeux bleus, à vous que ça te tente. Ouais. On se prend un échec. Les moutons sont-ils tous les yeux bleus? Ouais, ça, ils ont pas mal tous les yeux bleus. Ouais, mais on va en avoir assez de Jimmy. Père chaque. Les trois moutons ont les yeux bleus, on est correct. Si ta mère avait une paire, on va en avoir trois. On va en avoir une quatrième paire qui s'en ligne. Dans 5 secondes, les gens, on va voir le temps à faire un petit bébé sortir là-dedans. Sachez que l'enclos, oui, je les ai faites petites. Mais c'est vraiment parce que, tu sais, en même temps. En tout cas, je me comprends. Je me suis compris. Hé, on a des petits bébés! C'est des mâles, ben c'est des femelles, les deux-là. On ne donne pas de nom. Lui, on ne donne non plus. Donc ça, c'est un mâle. C'est un mâle.
Je suis désolé, mais lui, on va le tuer. Je vous l'ai dit, hein, je suis vraiment désolé, ok? C'est vraiment pas dans mon intention de faire ça. Là. Comme je vous l'ai dit. Ok, le petit bébé, il court pas mal assez lentement. Donc, on va lui laisser de la chance de nous suivre. Mais check ça, Jimmy, comment est-ce qu'il est cute? Il est tout mignon. Ouais, t'es comme poigné, ouais. Viens-t'en. Ah ouais, viens-t'en! Excusez, Jean, je suis comme trop dans le jeu. Des croquettes d'œufs d'ankylosaure. Bon, donc on est rendu sur un autre stade d'œufs d'ankylosaure. What the fucking shit, c'est chiant. Pas trop loin, les gens. Tourner là-dessus. On va aller là-dedans. Qui buzz. On peut là-dessus. On peut suppose. Il a dit quoi lui? Un kilo? Un kilo ça, c'est ça? On va checker. Ouais, un kilo ça. FIFI. Expose. Comme je vous l'ai dit, je veux pas faire les cheat codes, mais c'est parce que c'est tellement dur à trouver des petits choses, des petits croquettes d'œufs, là, sérieusement. C'est tellement dur à trouver, je sais. C'est que je sais même pas comment faire ça, ça vous donne une idée. C'est exactement vraiment pas quoi faire avec ça. Non, viens-t'en. Tu commences à grandir vite. Grouille-toi. On va pas l'emmener. Avec nous dehors. Parce que c'est dehors qu'on veut qu'il aille. Ah ouais! Arrête de niaiser, Steve. Bon, c'est parti. Cours pas vite, hein? Mais j'avoue, il est cute. J'avoue, il est cute. Bon, il a vu qu'on le fasse câliner, donc on l'a câliné. Ouais, toi, chien, ouais. Dites-vous que les choses, j'ai fait un plus grand enclos. Pourquoi? Parce que, bien sûr, j'en voulais beaucoup. J'en ai beaucoup. Mais il va falloir que je me fasse l'idée qu'il va falloir que j'y tue. Parce que, bien sûr, il faut que je garde les plus forts, puis les plus faibles, ben, ils vont s'en aller. Je le sais, je veux pas le faire, mais j'ai pas le choix. C'est pas dans mon intention, mais... Je veux qu'on fasse... T'as pas le choix. Oh, je sens que celui, ça va être plus long. Il grandit-tu 20 vite? On va checker, on va attendre. Ouais, il grandit lentement. Regardez les gens, on voit ses petites cornes. Il commence à pousser tranquillement. On va faire une exception. On va garder celui-là. On va le garder. OK? On va le garder. On va vous faire une exception. On va l'appeler Georges de la jungle. Tu veux. Non, c'est pas vrai. Il y a un qui l'appelle trop Georges de la jungle. Il est assez cute. J'avoue, il est assez cute. Disons que c'est pas mon animal que je voudrais chez nous. Bon, vous le dire, c'est pas mon grand animal. Allez, cool, allez! En disant ça, il s'est coupé par un tyrannosaure. Soit! Ce serait chien, là! Des œufs de dodo. Bon. Comme je vous l'ai dit,
Attendez, ouais, si je marque D, O, D, O, et que je mets un E à la fin. Bah, ben tiens, je viens de trouver, je viens de trouver un genre de. Je viens de recouvrir. Ah, c'est pas pire, ok, dans le fond, ça marche. Hein? T'as besoin de comprendre de lui. Encore? Hey, il grandit pas mal vite, là. h 27, on a le temps. Et après ce bébé-là, ben, on va arrêter ça là. Non, si tu veux finir. À cause que tu me fais attendre. Oh, il est temps. Les abonnés, ils n'ont pas le temps à perdre. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour faire élever des bébés. On fait ça comme ça. On s'en occupe. On va courir. Il est temps. Bon, Jimmy, je tiens qu'il y a un parasite qui me suit. Non, c'est pas vrai. Allez, sérieusement. Les œufs de Stego. Ok, tu me demandes maintenant du Stego. Si je marque justement Stego, mais que je mets un E à la fin. Ouais, ça marche encore, les gens! J'ai trouvé un autre genre de petit cheat code qui fait que ça marche trop bien. Pas besoin d'aller sur Internet. Trop de Python, hein? Vous devez comprendre de lui, pour soin de lui pendant 47 secondes. Shit. On te fait gouiller. Viens, viens, je t'attends. Et non! Mais là, il veut qu'on prenne soin de lui. On fait courir. Il nous l'a demandé, il veut courir. Mais laisse-y, yes, c'est calme. Ah, c'est pas vrai. Hey, oh, charge-moi pas, c'est moi de tuer. Là, c'est vrai qu'il m'a tué. Et même ma mère, elle irait plus vite que ça. J'avoue, il est cute. Ouais, là, Terre Orbeur, je sais pas trop comment l'écrire. Comme ça. On s'essaye, ok? J'essaye de quoi? Ça marche encore! Tant mieux! Hey, c'est pas pire. J'ai réussi à me trouver. Hey, c'est pas pire. Mieux qu'on prenne soin de lui encore. Attends, personnel, tu veux donc bien qu'on prenne soin de toi. J'ai pas le choix. Mais j'ai vraiment pas le choix. Hein? Non, c'est une dizaine à faire. Je vais marquer. Comme ça, ouais. Ouais, là, ça va marcher. Là, ça a pas marché. C'est ça, Didier Trésor, qui m'a demandé? Lise Trésor. Hein? À taper, ouais. Trop. Ah ben tiens, ça marche encore. Yes! Hey, les gens! C'est le cas, là. Je suis rendu quand même pas pire.
J'ai compris le point de vue. Encore, t'as Martinex, tu me le demandes donc, hein? C'est ça qui est chiant, c'est qu'il nous le demande tellement. On a comme pas le choix, on a comme besoin de. On a comme. On, ben, on a comme obligation de s'en occuper. Hein? Tu sais qui fait? Tu t'en viens-tu? Ouais. Je peux pas être là. Je vais te tirer une balle. Bon, ben, dire que t'étais mon pote. Bon, ben, excusez-moi les gens. Shit. Oh non. On a achevé. On a achevé. Ouais, ben, vous avez perdu votre nouvelle. Votre nouveau, hein. J'avais perdu. Ben, t'as plutôt perdu ton futur fils, jeune dame. T'as perdu ton jeune fils, jeune dame. Je suis désolé. Shit. Shit. Je pensais pas que c'était un petit peu one shot. Je pensais pas que ça pouvait le tuer one shot. Je m'attendais. Shit, je m'attendais vraiment pas à ça. Oh fuck, il faut que ça fasse ça. Regardez les gens, je suis désolé, mais on va s'arrêter là. La prochaine vidéo qui va être l'épisode 2, 3 ou 4, je sais plutôt c'est quoi l'épisode. On va se préoccuper plutôt sur la construction de ma maison. J'ai pas dit encore rénovation, parce que oui, je sais que ma maison, il fallait que je la rénove aussi dans pas long. Oh shit et tout ça. Parce que bien sûr, j'ai aussi de la rénovation à faire aussi dans la nouvelle maison que j'ai faite en avant. Donc, je vais faire aussi de la rénovation, tout ça ensemble. Puis, dans la saison 2, au pire, si je vois que ça a quand même pogné la saison 1, ben, la saison 2, on ira plus en tant qu'explorateur, on ira voir. On ira pas mal explorer l'île, genre aller dans les bas-fonds marins. Fait nos affaires. Merde. Voir pas mal de choses. Genre, mettons, fouiller pour aller voir, mettons, des grottes, des affaires de même. Vraiment essayer d'aller fouiller vraiment dans les bas-fonds du jeu. Essayer de trouver, mettons, des coffres, des objets, des coffres mythiques, des affaires de même. Essayer de trouver quelque chose comme ça qui serait quand même assez fun à découvrir. C'est sûr que toi j'aimerais ça, mais comme je vous l'ai dit, ça dépend de vous autres. Faut vraiment que la série poigne. J'aimerais vraiment ça que la saison 1 poigne. Parce qu'en même temps, ben, si ça poigne, au pire, ce que je ferais, ben, si je ferais une saison 2. Si je veux que la saison 2 aurait pas poigne aussi, ben, je ferais une saison 3. Je m'attends moi de faire au moins 2 saisons. C'est mon minimum que je veux faire. C'est 2 saisons. Le reste, on checkera ça plus tard. Mais ce que je veux faire, c'est vraiment 2 saisons, au moins ça. Parce que j'ai l'armure pour aller dans l'eau, qui s'appelle l'armure tech. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai mon casque, j'ai tout. Au pire, dans le pire des pires, je me crafterai un harpon. Puis avec des fléchettes tranquillisantes, des fléchettes en métal, on ira se faire, mettons,
je sais pas, moi, au pire, un mégalodon, quelque chose comme ça. Au pire, on fera ça, moi, gars. Sérieusement, je voudrais vraiment que ça pogne. Sérieusement, je veux que ça pogne. Je vous demande pas de. Je vous oblige pas à que ça pogne, mais si ça pogne, puis que je vois que ça. C'est assez le fun, puis tout, ben, regardez, tant mieux. Au pire, je vais juste être fou comme de la merde. Ben, je vais juste être ça, je vais être fou comme. Je vais être fou raide. Puis je tiens aussi à saluer, parce que j'ai eu un podcast tantôt, j'ai mon ex-demi-frère, Xavier Maltais, qui regarde beaucoup mes vidéos, qui voulait que j'ai dit son nom en live. Donc, salut Xavier, j'espère que ça va bien. J'ai su que tu avais, ben, j'ai su que tu voulais t'acheter Arc. Si ça te tente de jouer avec moi, pas de trouble avec ça. Ça me dérange pas. Donc, pour ça qu'il dit, ceux-là qui jouent à Arc, qui cherche du monde, regardez les gens. Invitez-moi, je joue. J'ai gardé, je pourrais, on peut faire une game. C'est sûr que je vous amènerai pas dans ma game que j'ai présentement là. Mais ce que je veux faire les gens, c'est que je vais mettre sur Fly. Je vais vous montrer pas mal ce qu'on va faire dans les prochains épisodes. Parce que c'est sûr que je vais faire des épisodes de construction. C'est sûr à 100%. Ça va être de se refaire une autre bâtisse à côté, mais de se réélargir les fondations. Ensuite de ça va être de faire un autre enclos, d'autres enclos pour d'autres animaux qu'on va se faire. Après ça va être de faire un autre enclos pour les animaux qu'on va manger. Et après ça, dans l'autre épisode, on fait pareil. Ça va être encore de la construction, au moins deux épisodes de construction. Puis la fin, ça va être les rénovations. Puis après, ben, ça va être fini. Saison 1, ça va être fini. Puis ça va être la saison 2. Parce que sérieux, je veux que ça pogne en crise, sérieux. J'aimerais tellement ça. Hein. Tu sais, que le monde dise, ah, oh, on aime ça nous montre comment faire, nanana. Tu sais, j'aimerais ça, sérieux. Tu sais, que ça pogne. S'il faut qu'on réélargisse l'enclos des chevaux, ben on le fera, pour on s'en remettra d'autres. Regardez, je peux. S'il faut que je le fasse, regarde, on va le faire, ça me dérange crissement pas, là. Sérieusement, regardez. Mais là, ouais, si lui, ça serait un mutant. Il peut mouiller quasiment 3 fois par jour, même s'il faut, man. Il mouille tellement dans le center, ça a tellement pas de. Merde, son père, sa main, c'était pas mutant. Oh! Ça fait chier! Son père, c'en était un, mais pas sa main. Son père, ça n'est pas un, c'est. Ouais, parce que quand c'est en mots, ça veut dire que c'est mutant. Si on accouple deux mutants, ça fait une autre couleur, ça le rend plus fort. Je sais pas si tu comprends. Hein? Ben, regarde mon ex-belle-mère. Elle s'avait fait un élevage de écus, puis elle a pogné un écus avec des pattes bleues, tout le corps rouge. Ça, je te dis, des fois, c'est. Puis le niveau, ben, il est différent. Il peut, mettons, genre niveau 400. C'est ça, hein. Si ça mire, t'as peu. T'as des gens, on va checker ça. Puis au pire, le prochain épisode, au pire, si on voit qu'on a le temps, on s'en refera un autre. Probablement. 221. Ah, mais je pensais pas qu'elle allait mourir, si. Mais le mec est mort. Ouais, c'est pas un mutant. Son père n'est pas un mutant. T'es un mort. Allô, mon ami? Ah, tiens. Ah, si, c'est pas un mutant non plus. Ok. Femelle. Je veux pas te monter, ok? Je veux pas te monter. Pas trop long, les gens. On va checker pour les mutants, au pire, pour le prochain épisode. Alors, tiens ça. T'as peu, je vais te donner un nom. 213, ok, c'est une mutante. J'ai pété, non, c'est pas vrai. Y a-t-il un nom qu'on pourrait donner? Un nom? Créature. Changer de nom. On va l'appeler Aska. Parce que j'étais allé la chercher quasiment au fond des montagnes de glace. Donc, elle, c'est une mutante, on s'en rappelle, c'est une mutante. Toi, t'es une femelle.
T'es-tu mutante? Je pas trop long, les gens. Oui, c'est une mutante. Ok, créature. Elle, on va l'appeler manche de pelt. Hein. Il ne croyait pas, hein? Checkez bien ça. Où est-ce que j'ai été tantôt? Modifié? Non. Hey! Non, non, non! Hey, mon nez! Non, c'est pas vrai. Elle était là-dedans. Une créature là-dedans, il est pas là. Ignorer. Tuer. Retour. Ah, t'es là! On va l'appeler. J'ai pas de nom à donner. Hein. Donc, on va l'appeler le même. Bon. Ça, c'est un mâle. Ok. Souhaitons que ça soit un mutant, Jimmy, hein? Calique! C'est pas un mutant! C'est pas un mutant! 198. Asti, je l'ai tué tantôt. J'ai tué hier. Yeah. Shit, tu me niaises que c'était un mutant? 98. Puis le pire, c'est que c'était le pire. Oh, je suis déçu, les gens, j'ai tué le pire. Il est dans la horde. Il est, faut pas que ça aille rare aussi, faut qu'il soit. Shit. Donc, Stream, t'es un mutant. Ben, t'aurais été muté. Oui, ben non. T'es une mutante. Asuka, c'est une mutante. Puis String, c'est une mutante. Tant qu'elle restait dans des jokes de même, on va l'appeler. Celle-là, je sais comment il donner. Je sais quoi il donner comme nom. Ben, t'as peur, je vais te calmer si tu n'aimes pas quoi donner de nom. Donc, on va lui donner ça comme nom, hein. Donc, on a String Bobette. Ça va être un prochain, c'est un jockey. Non, ça va être. Non, ça va être Will. Ça va être mère. Donc, on a String Bobette. Donc, Bobette, c'est ça, Bobette? T'es-tu une mutante? J'ai pas checké. J'ai checké, mais. Ouais, t'es-tu une mutante? Elle veut dire que ton père qui ferait de la sodomie, il faudrait qu'il soit un mutant. Ça rend pas de pété. Attends, lui c'est un mâle. Pas trop rien, hein? C'est pas un mutant. On essaie-tu de faire un mutant? Ok. Est-ce que j'ai fait un saut? Ça y va pas assez vite. Ça a été assez vite. Bon. Ça fait mal au cœur d'avoir fait ça, les gens. J'avais pas idée. Ouf. Mais une fois que j'ai tué un cheval, si j'ai pleuré là-dedans. Oh ouais, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Faut faire spawner un cheval, mais regardez là ce qu'on va faire. Cheat code, pas le choix. On va marquer ce code qui est summon Tamed. Quand vous marquez Tamed, c'est parce que ça le dit, il va être déjà tamé, mais qu'il apparaisse. Vous marquez ça en majuscule, donc comme ça. Icus. Vous marquez bord en bas. Vous marquez caractère. Pas charactère, en tout cas, mais. Vous marquez ça comme ça. Tac-tac. Vous marquez BP. Pourquoi? Ben, ça reste que c'est CBP, puis le reste, comme ta gueule. Non, c'est pas vrai. Vous marquez ça, vous faites ça, puis vous faites talk. Et voilà, vous avez votre mâle. Hein? Elle a dit mâle, si on tombe sur un mâle. Parfait, t'es-tu mutant? Parce que si t'es mutant, je te garde, mon homme. Dis-moi que t'es mutant, même si ton niveau y est bas. Parce que ça donne tellement des beaux bébés, ça les gêne. Je pense pas qu'en faisant spawner de temps, je vais rien pour tomber sur. Oui.
Oui, mon string, pas string, mais Bobette, elle, a fait ça spawner parce que j'étais écœuré de chercher, je l'avais pogné mutant. C'est juste que ça tombait sur un addon. Regardez, on va essayer, ouais. Peut-être que ça va peut-être en marcher, un peu, ouais. Gars, ça je te dis, ça dépend, c'est vraiment un coup de luck. Pour moi, ça aide un coup de. Oh! C'est sûr qu'elle est mutante. Rien qu'elle voit la super sa couleur. C'est sûr que t'es mutante. Hein, gars. Je te dis, ils ont plus de couleurs, les mutants, puis sont encore plus forts. Pourquoi des petites bonnes? Parce que j'en ai déjà trois des mutants. C'est toutes des femelles. Ça vous a été de besoin? Non, c'est des mâles. Oh, 217. Oh. Pas de l'air d'être mutant, toi. Attends, ton joueur ça. Non, tiens. C'est une exception, ok. Hein? Je le garde. C'est une exception. Ouais, tu peux bien être content, si. Comme d'habitude, je mets toujours à 4000. Puis le reste, ben, c'est dans le corps à corps. Alors, mec, 288. Ouais, on va te garder. Ah, oh, shit, on va pas dû faire ça, hein. Non, elle n'a pas dû faire ça. Ah, c'est pas trop pire. Je pensais que ça allait faire une astuce de grosse cause comme tantôt. Elle a pas gagné d'un. Bon, ben les gens, si vous voulez savoir c'est quoi le code pour faire spawner des Icus, ben je vous l'ai montré. Au pire, à soir, au lieu de chercher des codes, au pire, ben gars, je fais comme tout le monde, j'irai me chercher. Pas le choix, rendu là. Mais j'avoue que 288 comme niveau, pense qu'il passe. Pas ça dessus. Même compliqué, check est bien fait. Hein. Je vais vous montrer comment faire. Ben, c'était il a passé. Je suis pas pire. Hein. Mais je pense qu'il passe. N'importe. Ok, non. Je mets des petites portes des rangs. C'est juste pour les petits bébés quand je veux aller les chercher. C'est juste pour ça. Je t'avais mis sur pas bouger, toi, si je me trompe pas. Non, même pas. Mais t'es un gazou. Tu me suis? De toute façon, il y en a un enclos. Puis au pire, celui-là, on ira voir, j'irai voir, parce que vu que c'est une femelle, on ira voir pour un mâle. En plus, c'est mutante. Donc, on ira chercher. J'irai d'essayer d'aller me chercher un mâle mutant. Tant qu'à faire, tant qu'à rien faire à soi, bon, je ferai ça les gens, puis au pire dans la prochaine vidéo, au pire, là, ça, au pire, on essaiera de faire deux. Bon. Ça peut se regarder. Ça peut se regarder! Ouais, donc on ira faire ça. Donc, dans le prochain épisode, on se fera de la construction. Puis au pire, à la fin de la construction, au pire, on ira se faire un accouplement pour un mutant. Je sais pas lequel, mais je vais essayer de le trouver. Bah, c'est pas pour être méchant, mais ciao tout le monde, peace.